Shalom, nous allons étudier le Daf Ayin Zayin dans Masechet Psachim et nous prendrons à la fin du Daf Ayin Vav Amud Bet. Venitne Nami Sirer Regalim. On explique pourquoi dans la Mishnah on n'a pas enseigné aussi les Sirer Regalim, les Korbanot, Moussafim qu'on a portés pendant les fêtes. La Gemara dit Atanale Zifre Shel Mitzibo. Lui, nous dit la Gemara, il a enseigné parmi les Zifre Shel Mitzibo. Quand on a parlé des Zvachim du Tzibur, ça inclut également Yachi, Sirer Shechodashim, Nemilolitne. La Gemara dit si c'est cela. Si dans le mot tzibour on inclut tout cela, il ne fallait pas non plus préciser ce de Rosh Chodesh, parce qu'il rentre aussi d'une certaine manière dans une définition large de Zifré, Shalmé Tzibour, de A, Tana Zifré Shalmé Tzibour. La Gemara a dit non, c'est un peu différent. Pourquoi? Il y avait une nécessité d'enseigner à ceux de Rosh Hashanah. Non, on a besoin d'enseigner ceux de Rosh Chodesh. Pourquoi? Comme c'est pas marqué Moed, on verra justement par la suite que c'est parce que c'est marqué Moed qu'un korban tzibour doit être fait, quoi qu'il arrive. Mais là, comme c'est pas marqué Moed clairement dans la Torah au sujet de Rosh Chodesh, eh bien on aurait pu penser que même si c'est Zifre Shalmi Tzibour comme c'est marqué dans la Mishnah, comme il n'y a pas Moed, peut-être que ça ne fait pas partie de la liste. Car Mashmana, de Rosh Chodesh, il crée Moed. Ça nous apprend au passage que Rosh Chodesh est appelé Moed. Qui dit Abaye comme dit Abaye. Amar Abaye, Tamuz de Haishata, Malouye, Malouya. Tamuz de Haishata, c'est-à-dire le mois de Tamuz de cette année-là, donc l'année en question. C'est l'année où les Israël ont envoyé des explorateurs à la sortie d'Égypte. Malouye, Malouya, on a rempli ce mois, c'est-à-dire qu'on a ajouté un 30e jour, qui était donc un jour de Rosh Chodesh. Tout ça, nous dit la Gemara dans Ta'anit, parce qu'on voulait que finalement il rentre le 8 Av du mois suivant, et donc qu'à ce moment-là, on pleure le 9 Av. Dirtiv, quelle est sa preuve? C'est dans les Chalava Kara ala Imoed, l'Ishbor Bahorai. Nomme pour moi. Un moed, donc un moed c'est a priori littéralement un moment de rendez-vous, mais c'est aussi une fête, l'ishbor bahurai, pour briser mes jeûnes, c'est une allusion donc à ce jour de deuil. Donc on voit ici qu'il y a un lien entre Tisha B'Av et ici moed. Alors souvent on relie Tisha B'Av à moed, mais ici c'est une allusion à Rosh Chodesh, au fait justement que cette date de Tisha B'Av tombe parce que justement il y a eu un jour de Rosh Chodesh en plus, qui est donc le 30e jour, qu'on appelle ici Moed. Donc c'est une preuve que Rosh Chodesh c'est Moed, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de le préciser dans la Mishnah, que les ifrés de Rosh Chodesh sont quand même apportés mais à tout mois. Les membres des coulots Moed à tout. La Gemara dit donc, tu vois bien, a priori de ce que tu as l'air de dire, on apprend tous ces korbanot tzibour qui sont faits Betouma, on les apprend de Moed. Mais nan emile, d'où tu sais ça? Netanou Rabbanan, il y a une baraita qui dit, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem el Béné Israël. Hachem a parlé des Moadim à Obné Israël. Enfin, Moshe plutôt a parlé des Moadim à Hachem, Obné Israël. Matamouloma, à quoi ça sert de nous répéter cette phrase-là? Les fiches et la manou. Et là, les Tamid au Pessah. Shenema Bemoado. Il nous dit la Gemara, la Braïta, parce que jusqu'à présent, on avait dit Bemoado. L'expression Moed était appliquée à Pessah et à Korban Tamid. Et donc, ça veut dire que là-bas, on apprend effectivement qu'on le fait Betouma. Bemoado. Dans les deux cas, Afilu Shabbat, mais Moado, Afilu Betouma, on le fait même Shabbat, et on le fait même Betouma, que ce soit le Korban Pessah, ou ce soit d'ailleurs le Korban Tamid. Chaque Korbanot Tzibur Minayin, d'où savons-nous que c'est le cas également pour les autres Korbanot Tzibur, qu'on les fait même Shabbat et même Betouma, chez Neymar, et les Ta'asu Hashem, Bemoadechem. Au sujet des Moussafim des fêtes, marqué, voici, c'est cela que vous ferez, Bemoadechem, en vos fêtes. Minayin et Rabot, Omer, via Karel Imo, dont c'est qu'on apporte aussi le Korban à Omer et ce qu'il y a avec lui, c'est-à-dire Shta Lechem à Karel Imam, les deux pains, Tamoul Lomar, Vaïda Ben Moshe et Moade Hashem, El Bene Israël, Akatouv, Kava Moed et Khalekulam, comme c'est marqué à la fin, que Vaïda Ben Moshe et Moade Hashem, ça inclut le Omer et les Korbanot qui sont avec, et les Shta Alechem, les deux pains qui sont apportés, quoi qu'il arrive, tout ça, et donc à la fois le Shabbat et à la fois. La Touma. Maintenant, l'Agma va se poser la question, pourquoi on avait vraiment besoin de préciser dans chacun de ces commandos de Tzibour, Bemorado. Donc on a appris effectivement que c'est Bemorado. On a appris également que comme ce n'est pas marqué dans la Torah que Rosh Chodesh, c'est Moed, la Mishnah a dû le préciser ici pour nous apprendre que c'est comme Abaye qu'on l'apprend là-bas de Echa. Mais on revient maintenant sur le principe, pourquoi on a besoin pour chaque catégorie de dire Bemorado. Vecholan et la Mali, pourquoi tout cela? Tzriché, on a besoin. Pourquoi? Dès qu'à Tabachamana, Tamidava, Amina, on verra que chacun à une chouma, une rigueur par rapport à l'autre, qui aurait justifié qu'on n'applique pas cette halakha. On aurait pu penser, par exemple, si on avait appris dans un cas que ça repousse le Shabbat et la Touma, on aurait dit, oui, mais l'autre, c'est spécial, il a quelque chose de particulier, mais pas l'autre.
Pourquoi dès qu'il y a la Hamana Tamid? Si j'avais en parlé que du Tamid, Abba Amina, j'aurais dit, il n'y a que le Tamid qui repousse Shabbat et Touma. Et Kenta dire, le Khalil, il a une particularité, c'est qu'il vient tous les jours de l'année. Donc il est plus fréquent que les autres, donc il est plus important. Et en plus, il est brûlé intégralement. Mais je n'aurais même pas appliqué cela à Pessah, sans qu'il y ait marqué Bémorado à Pessah. Abba al Pessah lo, Kamash malad. Mais qu'il y a Hamana Pessah, et si j'avais parlé que du Pessah, j'aurais pas pu déduire non plus Tamid. Parce que sur un point, le Pessah, il est plus Hamou. Pourquoi? Parce que j'aurais dit quoi? Pessah, Shewan Ushkaret. Abba Tamid, Enosh Karet. Et Imalo, Kamash malad. J'aurais dit que le Pessah, c'est parce qu'il a. Il est Khayaf Karet, celui qui n'apporte pas le Korban Pessah. Et Khayaf Karet, ce n'est pas le cas du Tamid. Mais qu'il y a Hamana Netarte. Et si j'avance, c'est que ces deux cas-là. Abba Mina. Anehu, Yeshbaen, Sad Khamour. J'aurais dit peut-être que ces deux-là, parce qu'ils ont chacun quelque chose de Khamour. Le Tamid, on a dit, c'est parce qu'il est quotidien. Il est brûlé intégralement. Le Pessah, c'est parce qu'il est Karet. Tamid. C'est-à-dire, Kalil, Pessah, Shouan, Jkaret, Avash, Akorbanot, Tibo, mais les autres Korbanot, Tibo, et Malo, peut-être que non, Katala Hamana, elle est à Asoul, Hachem, et Mordechem. Et là, Veille Katala Hamana, elle est à Asoul, Hachem, et Mordechem. Mais si on enseigne que les derniers, Avamin, Achar, Korbanot, Tibo, Abaim, les Chaper, Aval, Omer, Ushta, Lechem, de Enbein, les Chaper, et là, elle attire, Béalma, Ninhu, Lo. Si j'ai enseigné que les Moussafim, j'aurais dit les Moussafim, sont là quand même pour expier une faute. Mais le Korban à Omer, et ce qui vient avec pour autoriser la nouvelle récolte, eh bien, il n'y a pas finalement de chouma. Si j'avais parlé que du homer et des deux pains, j'aurais dit qu'ils ont une chouma. Ava amina adraba, homer ushtalechem de alim et de ba'in. Les attirent, ils ont justement quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils autorisent une nouvelle récolte. Ce qui n'est pas le cas du moussaf. Moussaf, ça ne change pas vraiment beaucoup de choses. Ava l'anachlo, kamashwala, donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout ça. Maintenant, la Gemara va faire quelques déductions par rapport au Mishnayot. Et pour cela, on va rapporter quelques machlokot. Donc, savoir pour l'instant, on imagine, de l'echoula alma, touma dechouya, hi betzibo. A priori, tout j'en ai chez on pensait que le Tana de la Mishnah, et pour l'instant, on pense que la touma, elle est dechouya betzibo. Elle est simplement repoussée. On a une machloket, comme on l'a sur Shabbat par rapport à certaines misotes comme la Mila. Mais ici, on a une marque par rapport à la Touma. Est-ce que lorsque des corbanot tzibour sont faits Betouma, est-ce que c'est d'achouille, c'est-à-dire qu'on repousse le problème de la Touma, ou est-ce que outra, la Touma est complètement autorisée? Tafkamina, est-ce qu'on doit faire attention aux autres problèmes de Touma? Donc on va dire que le peuple lui-même est en état de Touma. Si on dit que c'est outra, que comme la majorité du peuple est tamé, et bien du coup, c'est outa. Outa, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de issour de Touma. Et donc du coup, on peut utiliser des koanim, tmim. On peut rendre impure la viande parce qu'on va se trouver dans une parenthèse où les ilchot de Touma n'existent pas du tout. Ça, c'est outra. Dechouya, non, c'est simplement qu'on a un problème, c'est que le tzibour lui-même est tamé. Eh bien, ce problème-là, effectivement, on fait comme s'il n'existait pas, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut, par ailleurs, créer d'autres problèmes. La Gemara pense ici pour l'instant que tout le monde pense que c'est simplement dachouille. Ça veut dire que c'est juste le problème du tzibour qui est tamé, mais on ne va pas non plus créer d'autres problèmes. Oubaya, tzit les ratzot. Et du coup, il faut également qu'il y ait un tzit que le Kohen Gadol porte le tzit. Donc c'est ce bandeau en or qu'il a sur le front, sur lequel est marqué Kodesh Hashem, qui permet justement d'être meratzé pour les korbanot où le tzibour est tamé. Delikat tana deshmatle le amar, touma outra be tzibour et la rabiuda. Parce que la Gemara nous dit que le seul tana qui pense que la touma, elle est outra, elle est complètement autorisée, c'est Rabbi Yehuda. Et on va rapporter une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans laquelle on verra effectivement que c'est lui qui pense ainsi. Détanias marqué Tzit. Ben Sheshno al Mitzro ou Ben Sheshno al Mitzro Meratze. Tanakama qui nous dit, c'est du vrai Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui nous dit que le Tzit du Kohen Gadol, eh bien finalement, il est Meratze, donc il permet de faire accepter les korbanot qu'on est tamé, que ce soit finalement qu'il soit sur le front ou pas. Donc s'il y a un problème de Touma sur le Corban, il est accepté quand même grâce au Tzit, mais que le Tzit soit porté ou pas. Rabbi Yehuda Omer, pas du tout. Ode ou Al-Mitzro Meratze. Tant qu'il est sur le front, c'est Meratze. Et Ode ou Al-Mitzro, et non Meratze. Alors, discussion. Amar Rabbi Shimon, Kohen Gadol, Bema Kippourim, Yochiach. Je vais te donner une preuve, moi, que c'est que quand il est sur le front. Regarde, le Kohen Gadol, Ayom Kippourim. Chez Eno Al-Mitzro, à un moment donné, c'est pas sur son Metzar. Pourquoi quand le Kohen Gadol rentre à Ayom Kippourim dans Kodesh Kodashim, il enlève tout ce qui est en or. Et donc, il ne peut pas porter le tzitz hazar. Donc, tous les moments où il est habillé en blanc, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas le tzitz. Et tu vois bien, pourtant, que c'est Meratze quoi qu'il arrive. Ou Meratze. Amalo, réponse de Rabbi Yehuda.
Et nach yom kippourim, laisse tomber yom kippourim, chez Touma ou Trabitsibo. C'est une situation où la Touma elle est autorisée dans le Tzibo. Donc comme elle est autorisée, il n'y a pas besoin de Tzitz. Mais dans les situations où il y a besoin d'un Tzitz, il faut qu'il soit sur le front. Ou Mikal et Rabbi Shimon, ça va, Touma Drouya Bitsibo. Donc on a bien une machloket. Entre Rabbi Shimon et Rabbi Yuda, une double machloket. Selon Rabbi Yuda, la Touma quand elle est autorisée, elle est complètement autorisée. Selon Rabbi Shimon, elle est simplement Dérouya. Et en conséquence, ils vont avoir une compréhension différente de Yom Kippourim. Yom Kippourim, ça marche même sans que le Tzitz soit sur le front. Selon Rabbi Shimon, parce que c'est comme ça tout le temps, que le Tzitz, il est meratzé là où il est, sur le front ou pas. Selon Rabbi Yuda, pas du tout. C'est parce que c'est outra que ça marche. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème, Bichlal. Mais quand il y a un problème, et que c'est le Korban lui-même qui est tamé, et qu'il n'y a pas de éther par rapport à la Touma, il faut absolument le Tzitz sur le front, sinon ça ne marche pas. Là aussi, la Gemara nous continue avec des déductions de Kula Alma et Natsit Meratze à la Chilot. Pour l'instant, on imagine que le Tzitz n'est pas Meratze à la Chilot, c'est-à-dire qu'il ne permet pas d'accepter après coup quelqu'un qui a mangé le Korban alors que le Korban est tamé. C'est-à-dire qu'on pense que le Tzitz permet de faire accepter le Korban vis-à-vis d'Hachem, mais pas de le consommer alors qu'il est impur. Parce qu'il n'y a qu'un seul Tana qui pense que le Tzitz est maratzé sur la Chilot et la Rabbi Lézer. C'est seulement Rabbi Lézer des Tania, comme c'est marqué dans une Braïta. Rabbi Lézer Omer, Tzitz maratzé à la Chilot. Le Tzitz, effectivement, fait accepter même la consommation, Rabbi Yosef Omer, et la Tzitz maratzé à la Chilot. Nema matnitin de l'oké Rabbi Yoshua. La Gemara dit notre Mishnah, a priori, elle n'est pas comme Rabbi Yoshua. Alors on va expliquer la vie de Rabbi Yoshua, et après on verra exactement pourquoi eh bien, ça ne rentre pas. Comme son avis. Détanez marqué dans une braïta. Ve'asita olot echa habasar ve'adam. Tu feras tes olot, korban rola, habasar ve'adam. La chair et le sang. Pourquoi on relie la chair et le sang? Rabbi Shomer, imen dam en basar, imen basar en dam. Pour nous dire que les deux sont interdépendants. S'il y a un problème avec le sang qui est tamé, on ne pourra pas consommer la viande. S'il y a un problème avec la viande qui est tamée, on ne pourra pas projeter le sang. Et donc, du coup, on ne pourra pas faire le korban. Rabbi Eliezer Omer, pas du tout. Dam afalpiché en basa. Il n'y a aucun problème à projeter le sang et avoir la kapara, même si la viande elle-même a un problème. Chez les mar, en citant un autre verset, où on a l'impression ici que les deux sont déconnectés. Mais dam zevachecha ishafer. Le sang du zevach sera versé à Mizbach Hashem Lokecha sur l'autel d'Hashem, ton Dieu. Simplement, à la fin du verset, c'est quand même marqué vers basar tochel, ce qui va être utilisé pour Rabbi Yoshua pour dire que même dans ce verset-là, il faut les relier. Alors que fait-il quand même ici Rabbi Eliezer du verset qui relie les deux? Il dit l'omar lecha pour t'apprendre, madame bezrika, abasa bezrika, que finalement ils ont un point commun le sang et la viande. C'est de la même manière que le sang est jeté sur le misbéar, la viande également est jetée sur le misbéar. Et Omer, ça m'apprend que loul katan yesh ben kevesh la misbéar. C'est-à-dire que la rampe qui amenait au misbéar était légèrement décalé par rapport au misbéach, il y avait un petit espace et donc du coup il y avait effectivement la nécessité de jeter. Donc finalement qu'est-ce qu'on voit ici? On a un verset qui relie le sang et la viande. Selon Rabbi Yoshua, c'est pour dire que le sort des deux est lié, que si l'un est tamé, l'autre également dans les deux sens. Selon Rabbi Eliezer, c'est faux. On peut très bien faire le sang alors que la viande a un problème de Touma. Et le lien qui est entre les deux, simplement le fait qu'on jette. L'agma va essayer de comprendre ce que chacun fait du verset de l'autre. Rabbi Yoshua d'Ami active et Vedam Zevachecha Ishafer. Que fera Rabbi Yoshua du verset? On a l'impression que le sang est à part. Amalecha, il te dira, regarde la fin de la suite du verset. Active Gabe et Basar Tochel. Après avoir dit que le Dam Zevachecha Ishafer qui sera versé sur le Mizbach Hashem Lokecha, c'est marqué Basar Tochel et tu mangeras la viande, donc c'est encore relié. Alors quoi, on relie encore une autre fois pour dire que la viande et le sang sont reliés, mais tu l'as déjà dit. Vane Trekra et la Mali, pourquoi le dire deux fois? Chad Bola. Chabishlamim pour nous parler des korbanot Ola, qui sont brûlantes également, et pour les korbanot Shlamim, pour dire que dans les deux cas, on a la même halakha, et on a besoin de tricha. Si j'avais enseigné que pour le Ola, j'aurais dit oui, mais le Ola, c'est pestel, il est une chumra, il est brûlant intégralement. Aval Shlamim de l'Ochamire, et Malo, mais j'aurais dit non pour les Shlamim. Si j'avais dit pour les Shlamim, Ava Mina, Adraba, Deid Beouch, Te Achilot. J'aurais dit oui, mais c'est spécial. Parce que finalement, les shlamim, ils ont deux achilot. Il y a une partie qui est mangée par les humains, et une partie qui est brûlée sur l'autel. Donc il y a deux achilot. Nous, et entre guillemets, Dieu sur le misbéar qui mange, quoi.
Aval Ola, mais Ola, il est beaucoup plus simple. Il est entièrement, intégralement brûlé. Delit Bech, Tachilot, il n'y a pas deux Achilot. Et mal, j'aurais dit peut-être qu'on ne fait pas la différence entre le sang là-bas et le Bassar, Kamashman, que les deux sont reliés dans les deux cas, Kamashmalad. Mais Rabbi Eliezer, ami, activé à Bassar, Tochel, Nagmar, il explique pour Rabbi Eliezer, qui s'appuie sur le verset, qui parlait du sang, il voit bien qu'à la fin du verset, on parle quand même de la viande. Il dit non, là-bas c'est pour apprendre autre chose, c'est qu'il y a effectivement un lien entre la viande et le sang, mais pas ce que tu as dit. C'est que dans le temps, on ne pourra consommer la viande que si on a projeté le sang sur le misbéach. C'est une nécessité, parce que c'est la kapara qui se fait essentiellement par le sang. Du coup, si ce verset-là, Dam zevachecha, et à la fin va basar tochel, vient m'apprendre que j'ai besoin d'avoir fait le sang pour pouvoir manger la viande. Si c'est ça, comment a-t-il pu dire au début que de l'expression Dam zevachecha, ça m'apprend justement que le sang, eh bien, n'a pas besoin que la viande soit pure. Donc, il a appris deux halakhot. La première halakha qui lui a permis de s'opposer à Rabbi Yehoshua, il a appris de Dam zevachecha. Et après, du même verset, il l'utilise pour dire que finalement, il faut absolument d'abord avoir versé le sang pour manger la viande. Donc, il y a a priori un problème d'utiliser deux fois le même passage, avec Dam zevachecha, pour apprendre deux halakhot différentes. Amalach, il te répondrait, Inke, Nirto Ahamana, Abasar Tochel. On aurait pu écrire que Abasar Tochel. Ve Adam, et après on aurait dit, Ve Dam zevachecha, Ishafer. Et on aurait dit, et le sang sera versé. Keir Tiberecha, comme c'est marqué dans les autres versets, Ve Asitar Olotecha, Abasar Adam, tu feras tes korbanot Ola, la chair et le sang. Donc en fait, le fait d'avoir dit Ve Dam zevachecha, ça m'aurait appris effectivement ce qu'on a dit. Et on aurait pu le mettre dans l'ordre classique, c'est-à-dire d'abord Bassar, et après le Dam. Mais si on a changé l'ordre, Machnadak Deme, les Dam zevachecha, pourquoi cette fois on a mis le sang en premier? J'ai envie de t'apprendre, Dam afalpish en Bassar, que justement le Dam est indépendant du sang. Ushmamina en Bassar mutar ba'achila, Hache Izarek, Adam, et ça t'apprend au passage qu'on ne pourra manger la viande que si on a fait la zrika. Donc, des expressions, Dam zevachecha, ve'a Bassar tochel, tu apprends effectivement qu'il faut d'abord faire le sang avant de manger la viande, mais de l'ordre dans lequel on les a placés, ça m'apprend que le sang, d'une certaine manière, eh bien, a un statut qui est indépendant de la Touma, de la viande. Et Rabbi Yehoshua, en Abassar Mutabar, il a Hachizarek Adam. Et du coup, Rabbi Yehoshua, comment fait-il pour apprendre que finalement, on ne peut consommer la viande qu'une fois que l'on a projeté le sang? Comment il apprend cette halakha? Puisqu'il apprend de ces deux versets qu'on a cités, et dont un qu'utilise Rabbi Eliezer, il utilise ces deux versets pour nous apprendre justement qu'à la fois dans Ola et à la fois dans Shlamim, eh bien, si un est amé, l'autre ne peut pas être fait. Lui, il apprend de Kalvachomer, Kalvachomer. Si déjà, les mourines, les parties qu'on brûle, quand on n'en a pas, eh bien, c'est pas Merakev. C'est-à-dire, si on les a perdus, si c'est rendu impur, ça n'empêche pas de manger la viande. Et pourtant, quand on les a et qu'ils sont purs, il faut absolument les avoir brûlés pour pouvoir manger la viande. Donc, on voit quelque chose qui n'est pas foncièrement nécessaire, puisque si on n'en a pas, c'est pas grave. Mais quand on les a, il faut absolument avoir fait ce travail-là des brûlés pour manger la viande. Eh bien, dame le sang, des chélites et on sait par ailleurs que si le sang a été renversé par terre, on ne peut plus rien faire, le corban ne pourra pas servir de kapara. Eh bien, c'est évident que quand c'est présent le sang, a fortiori qu'il faudra que ce soit d'abord mis sur le misbéach avant de pouvoir consommer la viande, quitter le col chez Kaïn Ah, Rabbi Lézer, pourquoi il a inversé alors qu'il y a un calvachomer, Rabbi Lézer? Ça peut arriver parfois que la Torah prenne l'effort d'écrire dans le verset quelque chose qu'on peut déduire techniquement par un kalvachomer. Rabbi Yehoshua dit non, puisqu'on a un kalvachomer et que du coup ça me permet de déduire autre chose du verset, le fait justement que le sang et la viande sont reliés si l'un est amé et l'autre aussi, eh bien je préfère être d'oresh. Donc maintenant, l'Agma explique pourquoi. Notre Mishnah, a priori, c'est pas comme Rabbi Yehoshua. Pourquoi? Des kevan, des abar, veina, tarté. Puisque finalement, on voit ici que selon Rabbi Yehoshua, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le sang soit pur. Il faut absolument que la viande le soit également. Si l'un a un problème, on ne pourra pas faire l'autre. Et nous, on est parti du principe, a priori, que le tzitz, il n'est meratze que sur le sang et pas sur la achila.
donc il pourra pas nous permettre de consommer. Et Khet et Betouma, selon du coup notre Tana, comment c'est possible s'il pense qu'il faut les deux, il faut le sang et la viande, comment c'est possible finalement que l'on puisse apporter ces korbanot Betouma? Puisque le tzit ne permet d'autoriser que le sang, eh bien la viande elle restera problématique. Comme elle restera problématique la viande, eh bien on pourrait pas apporter. L'agma dit non, c'est pas un problème. Filou tema Rabbi Yoshua, même sur Rabbi Yoshua, et la kasava Rabbi Yoshua, tit meratze ala olin. Rabbi Yoshua dira que le tit il est meratze sur le korban ola. Le tit est meratze ala olin, ce qu'on appelle ici la olin, c'est ce qui monte sur le misbar, c'est-à-dire les emurim. On a vu qu'effectivement, même si le tit c'est pas meratze sur la khila que les hommes font, eh bien lui dira quand même que c'est meratze sur les parties qui vont aller sur le misbar. Donc il y a une partie de la khila, de la consommation, qui sera pas faite par l'homme, mais qui sera faite par le misbéar, ce qui est relais sur le misbéar, donc effectivement, sera finalement consommé. Comme cette partie-là est consommée, ça s'appelle d'une certaine manière que la viande est consommable. Grâce au tzit, eh bien, la viande sera consommable, et comme la viande sera consommable, ça n'empêche pas le sang, finalement, lui-même, d'être sur le misbéar. Là, il dit, attends, atina, zvachim, ça c'est pour les zvachim, des karolin. Et là, omer, ushta lechem, des karolin, maïkale memar, comment vas-tu faire avec le korban à Omer et les deux pains qui sont des offrandes de farine, des offrandes de pain, là tu n'as pas justement de partie qui sera consommée sur le misbéar et donc qui sera acceptée par le tzitz. Amrei kamar Rabbi Yoshua nemi debeinan tarte bezvachim beminachot lo amar. L'agma propose de dire que finalement ce qu'a dit Rabbi Yoshua, qu'il faut les deux, le sang et la achila, eh bien c'est que pour les zvachim, mais ce n'est pas shayach au menachot. En sachant que ça a du sens, puisque dans les menachot on n'a pas réellement, littéralement, de projection du sang et de consommation, c'est autre chose. L'équivalent de la projection du sang, c'est l'akmitsa, c'est le fait de prendre une poignée et de la porter et de la brûler. Et après, il y a effectivement les shiraim, les restes, qui seront consommés. Donc chacun, finalement, est l'équivalent de la zrikat adam et de la achila du bassar. Mais la Gemara nous dit finalement, il n'y a pas de question, parce que Rabbi Yoshua n'a jamais parlé des menachot. La Gemara dit, tu es sûr de ça? Menachot lo amar. Pourtant, on a une Mishnah avec Atna dans Menachot, ni Tmeu Sharia, ni Srefu Sharia, Avdu Sharia. Si on a les Sharim, les restes qui doivent être mangés, qui sont brûlés, perdus ou qui sont rendus impurs, eh bien, on nous explique là-bas dans la Mishnah, Kemilat Rabbi Eliezer Keshera. Selon Rabbi Eliezer, c'est Kacher, puisqu'il y a la Kmitsa qu'on a pu faire, on est expié. Kemilat Rabbi Yoshua, selon la Mida, la mesure, c'est-à-dire, a priori, la vie, la logique de Rabbi Yoshua, eh bien, c'est pas Soul. On voit bien que la logique de Dame et de Achila, eh bien, se transpose pour Rabbi Yoshua, même dans les Menachot. Donc la question se pose, comment faire finalement pour expliquer qu'on apporte Betzibur, alors que la partie consommation ne peut pas être acceptée par le Tzitz? La Gemara propose Kemidat, Velo Kemidat. Quand on dit selon la mesure de Rabbi Yoshua, c'est pas réellement selon lui, c'est selon sa logique, mais pas vraiment ce que lui dit. Kemidat Rabbi Yoshua, et bien, l'intarté, c'est comme la logique de Rabbi Yoshua, qu'il faut les deux, c'est-à-dire Dame et Bassar. Et l'autre qui vient de Rabbi Yoshua, mais pas comme réellement ce que lui disait, dit le Rabbi Yoshua, mais Zvachim Ama, mais Minachot Lama, parce que lui, il aurait dit ça que dans Zvachim, que dans les Korbanot et pas dans les offrandes de pain. Et l'Otana, mais l'Otana en question là-bas, ça va Rafilou et Minachot. L'Agma dit Oumanou, Haïtana, des cas qui vaté ou Machimir Tfemine. L'Agma propose, dit alors, ce serait qui cet Tana là-bas dans Minachot? Qui pense comme Rabbi Yoshua sur un point, mais qui va encore plus loin que lui et qui applique sa logique dans Menachot, là où Rabbi Yoshua s'est arrêté à Zvachim. Et en plus, c'est marqué dans une Braïta, on voit clairement ici que Rabbi Yoshua a priori a parlé dans les deux cas. Détania, c'est marqué dans une Braïta, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dit Royani et Dibré Rabbi Eliezer, Menachot ou Zvachim. J'entrevois la logique de Rabbi Eliezer, à la fois dans Menachot, à la fois dans Zvachim, ou Dibré Rabbi Yoshua, Bizvachim ou Menachot, et Rabbi Yoshua aussi dans Zvachim et dans Menachot. Je vois sa logique. Divrei Rabbi Eliezer bizvachim shaya omer dam afalpi she'en basa. Je comprends Rabbi Eliezer qui dit dans les zvachim que le sang peut être apporté sur le misbéar même si pas, la viande ne sera pas consommée. Mais divrei Rabbi Yoshua bizvachim shaya omer en imen dam en basa imen basa en dam. Je comprends aussi Rabbi Yoshua qui dit que s'il y a pas de sang, il n'y a pas de viande et inversement. Divrei Rabbi Eliezer beminachot aussi je comprends shaya omer komes afalpi she'en shiarim. Donc selon là-bas, Rabbi Eliezer, on peut faire la kmitsa même s'il n'y a pas de quoi manger. Et dit vrai Rabbi Yoshua ben Menachot Shayomer, imen komets en shiraim, imen shiraim en komets. Et je comprends aussi Rabbi Yoshua qui dit s'il n'y a pas de kmitsa,
n'y a pas de shérim à manger et inversement. On voit bien en tout cas que Rabbi Yoshua a 10 sandines à la fois dans le dam et le bassar et à la fois dans Komets et Shiraim. Et là, qu'est-ce que ça va Rabbi Yoshua a tit meratze ala olim ve ala achilot. On est obligé finalement de conclure à la fin que selon Rabbi Yoshua, le tit il est meratze même sur les achilot, donc même sur la partie qu'on va consommer. Et c'est pour ça qu'on peut avoir effectivement des korbanot sibour, parce que quoi qu'il arrive, le tit il est meratze sur la même achila. Donc on va dire si c'est cela. Dans l'enseignement qu'on vient de citer là-bas, on a dit kimdat Rabbi Yoshua, on a dit selon Rabbi Yoshua, si c'est rendu tamé, eh bien on a un problème. Yachi Amay Kemidat Rabbi Yoshua Psula. La Gemara dit non. Il y avait plusieurs cas là-bas. Il y avait Tamé, il y avait Nisraf, il y avait Avoud, c'était brûlé, c'était perdu. Quand on dit là-bas que c'est pas sous le Rabbi Yoshua, c'est pas sur le cas de la Touma, c'est que sur les autres cas à Avoud et Sarouf, dans le cas où ils ont été perdus. Et Sarouf, selon lui, effectivement, on va avoir un problème. La Gemara a deux couchettes par rapport à cela. Et là, Nitma, Leman, Katané. Si c'est ça, alors dans la Marloquette, là, dans la Mishnah là-bas de Menachot, qu'on a dit que Kemidat Rabbi Eliezer c'est bon, Kemidat Rabbi Yoshua c'est pas bon, on a cité Nitma. Le cas où c'est tamé. Mais pourquoi l'avoir cité alors? Dites-moi les manes katané, selon qui? Si tu dis que selon Rabbi Yoshua, ça ne s'applique pas, pourquoi? Pour Rabbi Eliezer, pour dire que ça marche. Mais Rabbi Eliezer, c'est évident, pourquoi? Si déjà, quand c'est perdu et brûlé, eh bien, ça marche. Quand c'est présent et que c'est tamé, koshoken. Pshita, ashtaye shloma. Dans le cas justement où Avoud ve Sarouf, quand les Shiraim, les restes, ont été brûlés ou perdus, les litnéo, ils ne sont pas là, marcher Rabbi Eliezer dire que c'est bon pour la suite, pour la komitsa, eh bien, Nitma. Quand ils sont simplement rendus impurs des IT où ils sont là, Mibaya, il n'y a pas besoin d'enseigner. Et là, Pshita et Rabbi Yoshua, avec Katane Psula, donc tu vois bien que forcément, si on a dit Nitma, c'est pour Rabbi Yoshua. Donc c'est-à-dire que pour Rabbi Yoshua, eh bien, c'est Tamé. Quand il y a un problème de Touma, ça marche. Donc on voit bien que même dans Menachot, il applique son principe que les Shiraim, qui sont donc la Achila, posent un problème par rapport à la Kmitsa, qui est l'équivalent du dam. Donc on voit bien que sur Rabbi Yoshua, son principe là de dire que le dam et le bassar sont interconnectés, c'est valable dans Menachot, et a priori c'est valable aussi dans la Touma, et que le tzitz il n'est pas meratzé. Et alors Tania en plus est marqué dans une autre braïta, Rabbi Yoshua mer kol zachim sheba Torah, tous les korbanot de la Torah, ben shenitma basar vechelev kayam, ben shenitma chelev ou basar kayam, que ce soit la viande qui soit rendue impure mais pas les graisses, ou la graisse et pas la viande, Zorek et Adam. On pourra jeter le sang. Aval nitme ou tavayou, dans le cas où les deux sont rendus impurs. Lo, c'est pas possible. Donc on voit bien ici que finalement, même si dans ces korbanot-là, il y a une partie qui sera montée sur le misbéach, on a dit que le tzitz, il est meratzé sur la partie qui sera consommée par le misbéach. Et c'est en cela finalement que ça marche. Alors là, que ça va bien choisir, nassiz meratzé la roline. Alors, achilot, tu vois bien ici que le tzitz il n'est même pas meratzé ni les parties que moi je vais manger ni les parties qui sont sur qui sont montées les mourim. Et là l'olam Rabbi Yeshua hi matnitin velo kashia. Maintenant je vais quand même te trouver une autre manière de dire que notre Mishnah peut-être selon Rabbi Yeshua, donc la Mishnah qui dit que certains korbanot tum'a sont faits betum'a, eh bien ça peut marcher selon Rabbi Yeshua. Comment? Kan lechatrila kan bediavan. En fait tout ce qu'a dit Rabbi Yeshua c'est que lechatrila, que normalement on ne fait pas, mais si on a fait, ça marche. Kiam Rabbi Yoshua, l'Echatrila, Diavad, lo. Et la preuve, Mina Timra, l'Echenel, l'Echatrila, l'Echatrila, les Diavad, d'où tu sais qui sait faire la différence entre l'Echatrila et Diavad, c'est la vraie suivante, Tanya, Nitma, Basar, Onisal, si la viande est impure, ou Psula pour une autre raison, Oshasad, Chout, la Kelaim, pour la sortie de la Hazara du Betemigdash, Rabbi Yezer, Omer, Izrok, sur Rabbi Yezer dit, c'est pas grave, on pourra projeter le sang, Rabbi Yoshua, Omer, lo Izrok, il ne le fera pas. Umode Rabbi Yoshua chez Imzara Kurtza. Et Rabbi Yoshua a l'air d'être d'accord que si on l'a fait, ça marche quand même. En résumé, on a vu qu'on avait besoin pour chacune des halachot de dire Moado, Moado, Moed pour finalement toutes les korbanot pour nous expliquer finalement que c'est d'ocher à la fois le Shabbat et c'est d'ocher la Touma. On a vu aussi que par rapport à la Touma qui était d'Echouya, il y avait une marloquette. La plupart disaient que c'était d'Achoui, c'est-à-dire qu'on repousse mais qu'on évite de provoquer d'autres cas où c'est impur. Mais selon un avis, Rabuda, c'est complètement outra, c'est moutard, les gamrés, on ne fait plus du tout attention à la Touma. Après, on avait vu que la plupart des avis pensaient que le tzitz à Zahav n'était meratzé que sur le sang, mais pas sur les achilot. Et on a vu finalement que c'est quand même une marloquette Tanaïm, mais la plupart des avis pensent que ce n'est pas meratzé. Et après, on a vu justement la marloquette Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer sur est-ce que le sang et la consommation de la viande sont interliés les deux. Si l'un est tamé, on ne pourra pas faire le reste. Selon Rabbi Yoshua, c'est lié. Selon Rabbi Eliezer, non. On a vu
des versets. On a vu finalement en Maskana que ce que dit Rabbi Yoshua, que le sang et la viande sont liés, c'est valable également pour les ménachot. Et donc que la kmitsa, la poignée et le fait de consommer sont les deux connectés. Mais pour l'instant, on est en train de proposer de dire que c'est que les khatrilam et que b'diavad, il accepterait que finalement on puisse continuer à faire le korban même si les shéraïm sont rendus impurs.